à tous et bienvenue dans le petit journal. Du ski, en veux-tu, en voilà. Pour le printemps du ski, la course freeride du Derby du Loup pour les plus grands et les OFX Day pour les plus petits. Rendez-vous annuel des ski-crosseurs en herbe, l'édition 2019 des OFX Day a tenu ses promesses sous le regard expert de la championne marraine de l'événement, Ophélie David. Une tempête de ciel bleu cette année, une piste comme d'habitude qui est incroyablement préparée. Beaucoup d'enfants. Autant les U12 que les U14, avec un niveau absolument remarquable. Départ en ligne à 4, un border cross truffé de hoops ou de rollers, c'est ça qui fait le succès de la discipline. Les petits champions s'en sont donnés à cœur joie. Bah, j'adore sauter les sauts avec beaucoup de vitesse. Les hoops et la vitesse. Moi j'aime bien le ski cross parce qu'il y a de la vitesse, il y a les sauts. Skier dans un parcours de ski cross, c'est rigolo, il y a des sauts, des rollers. Donc plein de petites choses qui font que bah, ça change un petit peu quand même du quotidien. Là où ça a vraiment évolué, c'est dans la mentalité des entraîneurs qui voient aujourd'hui vraiment, je crois, l'importance, en tout cas l'utilité de faire skier leur petit compétiteur dans ce style de parcours parce que ça développe une palette d'aptitudes, de capacité à s'adapter qui est hyper intéressante ensuite et facile à décliner dans toutes les autres disciplines. Pas loin de 300 enfants ont répondu présent à l'appel de la championne, qui ne cachait pas sa satisfaction. C'est un événement qui perdure, c'est un rendez-vous que les enfants attendent, et on a même des clubs des Pyrénées qui viennent, donc qui vraiment spécialement pour nous. Donc c'est des 8-9 heures de route pour venir faire les OFX Day ici à l'Alpe d'Huez. Donc à la sortie de la piste de Cassini, quand vous commencez la traversée qu'on appelle la traversée de Château Noir, soyez prudents. Ça chablate, c'est pas large. Il y en a un qui est sorti tout à l'heure. Il vaut mieux perdre même pas 10 centièmes et rester en vie et pas pousser son copain dans le vide. Si tu freines, tu paies la tienne, bah, je pense qu'on va tous payer des canons. Hein. Retrouvez Bernard Desroseaux pour l'expo du moment au Palais des Sports et des Congrès au premier étage à l'espace Agnovergne. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.